Benvenuto Sodocon, je suis avec Alessandro Pantarei, nouvelle brosse, Novita Penelo. Nouveau Blero. Si, c'est bon, bien. Do you want something? Do you want to say something? Non, je ne parle pas bien français, mais je peux dire à tout. Bonsoir, c'est bon? C'est bon, c'est parfait. Bon. Grazie mille, à tous. Voilà pour l'intro. Bon, je vous dirai pas dans la vidéo où c'est que j'étais, mais pour ceux qui me suivent, Facebook ou Instagram, ils savent déjà, j'avais déjà mis ce qu'il fallait. Bref, troisième blaireau, Pantarei, et ce coup-ci, j'ai voulu du poil de cochon pour changer, vu que j'avais le Mustang, qui est un mélange de blaireau et de cheval, le Silver Tip, et ce coup-ci, du cochon avec un dessin personnalisé, dont voici, en fait... C'est une vue de Rome. Je voulais quelque chose d'italien avec ici Saint-Pierre. Voilà pour la forme au cul. Ceramice di Sicilia. Voilà. Et que vous dire? Et cette forme-là, en fait, pour ceux qui ont suivi mes aventures au Québec, j'ai offert un blaireau à Marilyn, donc avec son logo entre Bulles et moi, et cette forme-là. Et quand je l'ai eu en main, cette forme-là, je l'ai trouvé super ergonomique. Et là, je me suis dit, il m'en faut un comme ça. Donc voilà, j'ai craqué. Et en poil de cochon, je ne connaissais que ce Mog, fabricant portugais, qui est très bien. Les prix sont super corrects. Il n'y a rien à redire là-dessus. Et celui-ci, je l'ai utilisé et franchement, mais rien à voir. C'est encore une qualité encore au-dessus. Et je trouve que le poil, il est encore plus fin. Il n'y a pas besoin de rodage. Pas besoin de faire tremper pendant 10 minutes. On va voir ça de suite. Je vais couper cette caméra-là. Et en savon, je vais utiliser... Donc là, c'est Ibla. Donc ça, c'est toujours Pantarei. Donc il a fait une édition très limitée. Donc ça, c'est une crème à raser. Je vais faire mouiller le blaireau. Le blaireau, la brosse. Et franchement, c'est l'histoire de quelques secondes. Et c'est vrai que ça fait un moment que les blaireaux, je ne les fais plus tremper. Le poil qui me chatouille. Je ne les fais plus tremper et il n'y a pas besoin en fait. Enfin, c'est au bout de chacun, quoi. Allez. J'essore prélèvement. Donc, vu que c'est une crème, ça n'a rien d'appuyer. Voilà, petit prélèvement, quelques secondes. Et en fait, j'ai quasiment essoré le blaireau, donc forcément, il va falloir rajouter de l'eau. Et vu que la sortie, c'est une sortie haute, faut pas hésiter à prélever plus que d'habitude, parce que ce qui peut se passer en fait, c'est que le savon il se barre à l'intérieur de la touffe. Voilà pour info. Et vu aussi que la touffe elle est haute, forcément le poil il est souple, donc ça sert à rien d'appuyer, vous voyez, sinon ça fait pas un effet lavette mais presque. Donc voilà, la main légère. Puis c'est super doux. Et comme je disais, vraiment ergonomique. Donc alors, comme je disais au début de la vidéo, ben en fait, j'ai lu en main propre par Alessandro. Parce que fin septembre, j'étais à Rome. En fait, c'est lui qui a voulu que je vienne pour aller un an de la boutique The Vintage Club de Luca Di Naro. C'était aussi l'occasion des rencontres
des groupes Facebook Razo et Penelo, dont je suis membre, et Bafé Avenue Brio. Je suis membre aussi, mais je suis plus présent sur Razo et Penelo en fait. Voilà, donc la mousse, vous voyez, ça monte très bien. C'est un chouïa d'eau. Mais c'est vraiment. La crème, elle est super qualité. C'est vraiment une belle crème. Donc je vous mettrai le site dans la description, comme d'habitude. Puis comme je disais, la crème, ils vont en refaire, mais je ne sais pas quand. Et je crois qu'ils vont en refaire à faible quantité. Voilà pour info. Et puis voilà pour ce blaireau. Je pense que c'est bon. Je vais m'en arrêter là. Donc comme je disais, petit récap. Ça sert à rien d'appuyer pour faire mousser, vous l'avez bien vu. La main légère. Sinon, on peut prendre une hauteur plus courte. Là, je pense que ça fera un effet plus massant. Et puis voilà. Allez, c'est bon. On va s'arrêter là. Et ouais, c'est bon, j'ai tout dit pour ce blaireau. Après, c'est juste une histoire de goût, la peinture. Vous pouvez choisir un manche en bois ou alors il y a des manches en bois avec une petite bague en céramique autour. Mais faites un tour sur le site. C'est en italien, mais c'est aussi en anglais. Pour info, et merci du zonage, bon rasage. Ciao. Nouvelle brosse, Movita. Novità. Oui. Novità. Novità.